Salut les amis, c'est Chest Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure RE4, cette première campagne en fait en mode facile hein, pour reprendre tranquillement sur ce jeu. Et puisque l'épisode du jour commence par une cinématique, je vous propose de la lancer et de se retrouver juste après pour faire le point. Allons-y. Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not dying. Hey! Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Oui, voilà, cinématique très importante. Donc on a croisé un peu tout le monde là, hein, et notamment Luis Serra, hein, qui va nous aider plus ou moins, on va dire, il va nous accompagner. Mais il a quand même un défaut, hein, même s'il est assez charismatique, qu'il se la pète un petit peu, et qu'on l'aime bien, et on l'a vu d'ailleurs, hein, c'est qu'il reste pas longtemps, hein, il passe son temps à... Il vient, il s'en va, c'est un peu pénible quand même. Et contrairement à ce qu'il a dit, Luis... Le big boss, c'est pas Mendes, c'est pas la grande asperge hein, qui nous a assommé là, c'est Sadler qu'on a vu, hein, qu'on a vu notamment sur nombre de tableaux dans le village, parce qu'il est quand même complètement mégalo. Et oui, c'est tout l'enjeu hein, de ce RE4, c'est que c'est aussi une course contre la montre, hein, il suffit pas juste, enfin juste, de récupérer Ashley et de s'en aller, il faut trouver une solution.
par rapport aux œufs de Plaga injectés par Sadler dans le corps de Léon là. Et si rien n'est fait, hein, le pauvre Léon, il peut se transformer en serviteur zélé de Lord Sadler. Hein, ouais, c'est assez terrible. Bon, il n'en a pas conscience, hein, parce qu'il était assommé au moment de l'opération, mais nous, on le sait. Et ça rajoute de la tension, bien évidemment. Allez, oui, on prend les munitions, évidemment. On prend les munitions. Et on va continuer. Ah, le Over here, marchand. On va commencer stranger. justement à faire des affaires. On a plein de spinelles à te vendre, toi. Vraiment très très plaisant, hein. Très très plaisant à jouer. D'accord. L'autre côté, évidemment. Mais j'espère à regarder quand même, même si ça aurait pu être plus joli. Mais Got bon, something mon that ordi might sur interest you. Got a selection of good things on sale, excusez-moi, j'avais stranger. oublié, mais c'est vrai qu'il fait ce move-là. Le marchand, c'est un peu ambigu quand même, hein. Enfin, heureusement qu'on n'est pas devant une école, parce qu'ouvrir son manteau comme ça, c'est un peu bizarre. Je trouve. Mais bon, bref, allez. Ah bah, autant Louis, c'est par petites touches, autant des marchands, il y en a partout, et heureusement d'ailleurs. Étranger, as-tu remarqué qu'il y a des méliambeux dans le village? Ouais, on a récupéré ceux de, enfin, on a détruit ceux de la ferme. Il nous faut ceux du cimetière maintenant. Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons ou plus. J'ai une arme spéciale que j'aimerais te faire essayer. Bah oui, mais je sais plus laquelle. Je sais plus What are laquelle. you Bon. buying? Ah, très Is bien. that all? Thank you. Grosse manette. Ah oui, Is très bien aussi. that all? Thank you. Parce que sinon, je vais passer à côté les trésors. Alors, est-ce que je prends le fusil? Ah, j'aurais peut-être pas la place. Ah non, ça, j'aime pas ça. Pistolet mitrailleur, je m'en souviens. Ah ouais, roquette, on regarde ça pour les boss. Ouais, ça tire plein de balles, mais ça fait très peu de dégâts. Ouais, non, il me faudrait le sniper, mais j'ai pas la place. En plus, je sais pas ce qu'il va nous donner. Je sais pas ce qu'il va nous donner comme What are you truc. buying? Ouais, je sais pas. Bon, je pense que je vais garder le fusil à pompe, donc je vais optimiser ça. Ah oui, mais j'ai pas assez d'argent. Attends, attends, What are you attends. selling? Attends. Bon, bah déjà, je peux vendre ça puisque. Is that all? Thank you. Pas besoin. On garde 7, on a. Wow. Is that all? Ça, très Thank bien. you. Ah, Ouais, il nous le I am prend. buying it at a high Il nous le prend à 10 000 price. parce qu'on l'a pas sali. Très bien. Thank you. Ah, mais ça se combine, ça, peut-être. Attendez, attendez. Quelque chose. Mais oui, très bien. Ouais, comme ça augmente le prix. Pierre précieuse sertie sur le côté. Il en faut 3. D'accord. Oui, non, je voulais optimiser quand même. Au moins le fusil. What are you buying? Is that all, stranger? Is that all? Is that all? Ok. On revient quand on veut? Bah, je sais. Hein. T'inquiète, on va se voir souvent. Corps d'herbe rouge, dis donc. Ouais, par contre, j'ai pas beaucoup d'herbe jaune. Hein. Donc, j'ai pas mal de soins, mais incomplet en fait. Donc, on doit récupérer Ashley Graham, mais. Va savoir où elle est. Ah ouais, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup d'ennemis là dans cette zone, hein, dans mon souvenir. On va privilégier, je pense, le fusil à pompe. Hein. Ah, il y a un petit trésor là. Je sais pas viser. J'essaie quand même. Dis donc, Lia, tu vas te calmer. Ah non! Ah non! Oh, il peut pas m'atteindre.
Ouais, non, mais attendez, c'est... Oh là là, ça va être compliqué. Oh là là. Pas s'embêter. On va faire ça comme pour le village. On va y aller en bourrin. Oh bah très bien ça. Ah, la musique elle est bien faite hein. Oh mince, mal joué. Je pensais que je pouvais le... Repli, repli. Toujours la hantise d'avoir des gens derrière moi. Mais non, mais c'est pas possible. Il y en a combien des lanceurs de dynamite, là? Voilà. Allez, ça triche pas. Hein. Tout seul, toi? Je peux peut-être économiser. Enfin, économiser, c'est vite dit. Hein. Ouais, c'est pas possible. Mince, il a retiré tout seul. Je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Mais non! Je voulais le coup de pied, mais j'ai raté. Non, mais j'arrive pas le coup de pied. Bon. Oh là 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 là. Brillant, hein, vraiment. Vous me cherchez, vous pouvez me trouver, hein. Je passe plus souvent avec le couteau. Point fini. J'entends un bruit. Oh là! Oh là là! Oh, je suis pas mort, comment c'est possible? Le miracle, j'ai entendu la dynamite au dernier moment. Bon bah... Voilà. Oh là 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 là. Tendu, hein. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais c'est j'ai du mal. Hop là, ça c'est fait. Ah, puis cette musique de l'enfer là. Donne-moi. Tu parles. Voilà, le miracle. Comment j'ai fait pour pas mourir? Je me préparais gentiment à essayer de tuer l'ennemi là de loin, mais. Non, ça marche pas. Vas-y, meurs au bout d'un moment. Heureusement qu'on est en facile. Hein. Après, faut viser la tête. C'est hyper loin. Mais non, mais il est pas mort, mais c'est pas possible. Je suis peut-être un peu présomptueux là. Je gaspille mes balles là. Là, c'est mieux. Là, je t'ai vu. Oh, comment il a éjecté? Quoi? Qui me tire dessus? Oh non, mais attends, mais c'est pas possible. Il reste encore un œuf. Ah oui, d'accord.
moi je suis pas dans le détail. Hein. Très bien. Il y en a beaucoup, hein. Donc c'est quoi? Ah oui, c'est la clé. Emblème partie droite. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Grenade aveuglante, ça c'est bien aussi. D'accord, déjà arrivé à vider les tonneaux, ce serait magnifique. Voilà. Ça n'arrête jamais en fait. Ça vous êtes en train de me dire. Je vais essayer un peu approcher. Mais... n'arrête jamais. Non, mais c'est pas l'infini, c'est sûr. Je suis en point. J'ai un peu de point bourrin. Tu veux pas mourir un peu toi aussi? Oh là! Oh là 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 là, mais il y en a combien? C'est pas possible. Ça n'arrête jamais. C'est un moment où ça s'arrête. Ah. Eh ben ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Oh là là, j'ai failli mourir. Je sais pas comment... le miracle quoi. Le miracle. Ouais, par contre, j'ai gaspillé plein de balles, hein. Ouais. Comment je vais faire cette zone sans fusil à pompe? Ah, quand même! Quand même! Non, pardon, excusez-moi. Ça me fait 2 soins. D'accord. Très bien, ça c'est sympa. Hop là. Donc aller chercher de l'autre côté. La seconde moitié de la clé. Alors ce qui est bien avec Léo, bon, il court pas très vite, mais c'est pas comme dans GTA. Le personnage, dès qu'il a fait 2 mètres en sprint, crache ses poumons. Partie gauche. Attention les énigmes de RE4. Enfin, je dis ça, mais il y en a dont je me souviens plus et je peux peut-être galérer. Hein. Après, on n'est pas au niveau, évidemment, Sherlock Holmes. Très bien, les Sherlock Holmes. Hein. C'est très différent, hein, mais vous aimez les point and click à enquête, à énigme.
ça me fait penser, il va quand même falloir que je fasse Chapter 1 à un moment donné. Compléter la série. Très bien. Attendez, parce que... Ouais, ok, il y a deux trésors. Ah bah il est en face. Évidemment, on peut pas y aller tout de suite. Non. Allez. À un moment où il meurt ou pas? Après je fais pas la tête, hein, je fais l'épaule. Oh là là. Bon, écoutez, hein. Il y a un moment. Pas à faire. À... Voilà, pas faire de détails. Oh non, pas les... Il se tue tout seul, c'est ça qui est bien. Ah, ils sont vraiment tous tués. Ah, je pensais qu'ils avaient tué que ceux de devant. Oh, c'est quoi ces pièges à loups de l'enfer, là? Pourquoi la musique s'arrête pas? Ah voilà pourquoi. Ah, il est vite, hein, il y a l'IA et tout, attention, hein. Non, toujours pas. Non mais... Secours quoi. Il y en a un peu beaucoup quand même là des pièges. Un deuxième encore. Viens. Ah voilà. Spinel, très bien. Ok. Ça aussi, je prends. Voilà le petit trésor. Qu'est-ce que c'est? Masque élégant. Formidable. Ah, on se remet bien au niveau des munitions là, ça c'est bien. Merci le jeu. J'aime jamais trop ça quand on descend. Ah, bon, ça va, il était tout seul. Ah, les poissons. T'en prendras un.
ouais. Voilà, déjà plus de place, tellement c'est bien rangé ici. On va pouvoir le vendre, hein, le gros poisson. On va peut-être pas pêcher maintenant, c'est pas le moment. Bien joué. Bien joué. Pourquoi je fais ça? C'est pas possible. Attendez, ils ont encore mis des pièges à loups. Non mais c'est pas possible ce jeu. Je n'ose pas trop m'approcher, je vois pas bien. Ok. Ah. Allez, comme pour le village. Pas le salir. On le vend bien cher. Qu'est-ce que c'est? Une montre goussée, dites donc. Donc là, logiquement, j'ai eu les deux trésors que je voulais. Ok. Super. Encore les crânes. Ok. Bon, pour l'instant, je me perds pas. Ça, c'est bien aussi. Très bien. Toujours recharger, hein. Important. Faut y penser. Une grosse boule de cristal, on dirait qu'elle peut tourner. Dans quel sens voulez-vous la faire tourner? Je sais rien moi. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, j'ai cliqué au hasard, ça l'a fait. Ouais, c'est le signe de la secte, d'accord. Quelque chose s'est activé. Ah, encore un portrait de Lord Sadler, évidemment. Complètement taré. Ah, on a la clé du passage dans le village. La clé de l'insigne. Très bien. Ces livres sont tous écrits en anglais. Mais je n'ai pas le temps de les lire. C'est dommage, c'était intéressant. Ok. Ah mais tu veux pas l'ouvrir? Voilà, ah, quand même. Petite munition, on prend. Note du chef. Comme l'a ordonné Lord Sadler, j'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer au lieu de les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis ferait confiance à un inconnu, mais s'il venait à collaborer, la situation pourrait devenir délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense pas que ce groupe laisserait passer une telle aubaine. Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Sadler, qui consiste à nous rendre vulnérables pour que ce groupe se dévoile, si tant est qu'il existe. C'est peu probable, mais si le traître est déjà parmi nous, notre plan risque d'en pâtir. Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque si on réussit ainsi à arrêter l'ennemi. Quoi qu'il en soit, sa décision est prise. Nous devons lui faire confiance. Ouais, complètement fanatique. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Ah, très bien, ça termine comme ça. Très bien, très bien. Bon, bah pour l'instant, zéro mort. Hein, c'est à noter. Je vais essayer de tenir comme ça jusque justement.
la rencontre finale avec la grande asperge là. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, hein, ce deuxième épisode. Je vous donne rendez-vous pour le troisième dès demain, sur la chaîne, même endroit, même heure, même punition. Bonne fin de journée à vous et à demain. Ciao.